qu'à faire là face à situation n'a pas gardé au président qui 209 mois c'est ça bientôt que le parle gagner ça dit si le cas font bail connia faut l'été yo té ouais avant l'été gon bagay que l'été a fait pour aller dans sens changement système non pour aller dans sens changer la vie moun yo nous t'en dit trois bagay après pour aller ça qu'on fait là. La première chose, c'est que Madame Bonhomme, tout Haïtien songeait et que accouchement ça, tout a été mis en œuvre par une frange en classe politique là, pour que le président Jovenel Moïse pas arriver à la tête, à la magistrature suprême de ce pays. Nous songeait toute qualité faux dossier qui fabriquait des accusations les unes plus grotesques et farfelues que les autres, cette affaire le fameux compte et goutte que tu voulais transformer avec un pile acrobatie, marronnette, malsaine, droite et gauche, que tu as transformé contre ça, qui était un compte en goutte en dollar. Nous songeons cette fameuse commission qui a été mise sur pied par le président Privert, et qui justement est arrivé dans tes pays, ça, et grâce à exercice que un pile monde, que certaines franges de la classe politique ont excellé là-dedans, à savoir ce que certains appellent affectueusement et transition, et en passant, nous tout profiter de lorsque il y a une transition dans le pays, sans occasion avec une turbulence politique, comme par magie, c'est comme si son recette miracle et que tout problème pays d'Haïti résout. Donc, c'est quand même assez troublant. Mm-hmm. Tout le monde songeait que combien de tours que le président Jovenel est obligé de passer au terme de campagne interminable pour le capable de vivre dans ce pays. Ça, ça veut dire que les forces obscurantistes, les forces antidémocratique, il était à l'œuvre depuis la campagne pour empêcher l'avènement de Jovenel Moïse au pouvoir. Et ça, tout le monde connaît. Malheureusement, ils ont piteusement échoué. Et au lieu que tu mette tête ensemble à un certain moment de la durée pour aller participer au deuxième tour avec le chef de l'État, la suite, on la connaît. Oui, docteur Yves, nous avons besoin de talent, talent. Parce que tout le monde ça, non, talent, 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 talent. Bonjour, talent, bonjour, bonjour, talent. Vous posez mon question. Oui, mais regardez. Tout... Non, oui, regardez. Ouais, tout le monde ça, tout le monde. C'est dans premièrement. Oui, tout se connaît, mais même, bon, avancer avant. Oui, oui. Président, regardez, élection faite deux fois, Jovenel Moïse, lié et président de la République. Ça veut dire que nous conscients, deuxièmement, nous conscients que nous méfiance, que nous défiance, que même il y a des expériences peu encourageantes que certains frères et sœurs nous font dans l'opposition, dans la recherche d'une solution avec le président Jovenel Moïse. Mais est-ce que ça veut dire que pour nous renoncer à trouver ensemble un compromis, un consensus? Non, absolument pas. Ok, tout à l'heure. Regardez, ça me donne du là. Tout à l'heure. Mais nous ne pouvons pas arriver là. Nous ne pouvons pas arriver là. Sous pouvoir. Non, nous ne pouvons pas même sous tentative et dialogue qui échoue. On nous vient là, regardez. C'est vrai, Jovenel Moïse fait une énorme bataille et pour lui venir au pouvoir. Élection faite deux fois. Et lui, président de la République. Mais après élection, c'est vrai, son véritable, il y a un groupe qui par jamais reconnaître Jovenel Moïse, président de la République. Mais, on dit c'est la grande majorité, il faut dire vérité, ça qui a observé. Qui ça, monsieur ça, après toute épreuve que lui passait pour venir au pouvoir, qui ça, lui-même, qui ça l'a fait? Mais, nous partons à faire de caravane et goa en pile arrogance, n'a passé en force et non question budget. Et puis, tout à l'heure, et puis, parce que, si c'est pas nous-mêmes qui enterrons trop, regardez, nous enterrons trop nous encore pour entrer là-dedans. Oui, m'a obligé intervenu pour me dire que, faut que 11 catégories de monde ne prennent pas le président Jovenel comme un bouc émissaire. Pour capable de montrer que c'est lui qui est responsable d'une déchéance qui commençait depuis et plus de 215 ans dans le pays. En pile, le président avec lui, c'est le même cantique, des cantiques, même refrain.
yo victime justement de hypocrisie ça. Côté que yo toujours pas jamais permettre un président qui élu au suffrage universel eh bien implémenter vision que le gagnant pour changer fille du pays. Et puis à l'arrivée, il y a parlé d'un bilan maigre et chiche que le gagnant. Parlons de la gouvernance. Parlons de la gouvernance de l'équipe en place. Non, madame Bonhomme, m'a fini répondre. Il ne faut pas permettre de délivrer marchandises là. Et pour m'aller plus loin, supposons si en 2022, là déjà, on joue une cacophonie dans mi-temps, classe politique, la capement des présidents Jovenel, eh bien, comme ils sont irresponsables pour abandonner le navire là. Mais regardez ce qui va se passer en 2022. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Au lieu de nous mettre tête de ensemble à l'élection, on va voir que chaque monde fait route paillot, et puis 3 mois, 6 mois, un an plus tard, il va le venir avec la même démarche malsaine que au moment des présidents pour aller à l'école. Pour qu'ils soient loin comme ça. Pour qu'ils soient loin comme ça. Mais bon, quand vous que nous arriver, le fameux haut-toit que je m'y mets, cette malédiction que j'appelle râler comme un médecin, au cas où que nous vivons, pour nous faire malédiction ça. Donc il faut donner au président, parce que là, on sort de haine viscérale, de phobie, de s'amener la présidence en Haïti, parce que nous songez sacrifié des présidents Aristide à 2 reprises, nous songez président Préval, c'est tragédie 12 janvier 2017 qui sauvait, nous songez sacrifié président Maniga, c'est vrai qu'il a été élu dans des conditions controversé, mais tout le monde a admis que l'aile montée au pouvoir, l'idée commencé son travail remarquable pour améliorer les conditions de la vie compatriote, nous échanger figure pas, pays ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même tout, il a été broyé par cette mécanique infernale de l'orgueil coup d'État à répétition. Et si il y a un poison que nous devons trouver ensemble, un antidote pour lui dans pays ça, c'est le poison des ruptures de l'ordre démocratique toute la fin de journée. Où direz-vous? Regardez, où direz-vous? Où direz-vous? Faut que bah la question réponse, d'accord? Ah mais bien sûr. OK. Merci. Madame. Non, oui non. Bon dieu, pas aucun monde qui capable blaguer tout fardeau pays d'Haïti sous dos président Jovenel à équipe. Mais en jetant un regard honnête, m'a dit sous la gouvernance du président Jovenel Moïse, ou même où c'est directeur général ou dans le gouvernement, directeur général ministère affaires sociales. Gon question simple. Est-ce que condition président Devine là pour changer, pour le mettre comme dans poche mon yo, pour le mettre manger dans assiette yo? Et 2 ans, bientôt 9 mois, c'est ça? Après, les conditions de vie de la population, est-ce que yo changé? En juste répondre à la question ça. N'a pas répondu. L'État changé si que pas de pollution permanente du terrain politique par d'éternels mauvais perdants. Qui parle pas le président, m'a répété encore. Qui élu au suffrage universel, parce que là c'est transition. Et subitement la tempête se calme. Il faut ne rappeler ça encore une fois. Donc et c'est quand même bizarre. Mais depuis son président qui sorti dans le suffrage universel, il y a une catégorie de monde qui jurait pour ne pas quitter le travail. Ou un président qui a mis des très bonnes intentions, qui ont volonté pour améliorer, par rapport au coup de baguette magique. Qui ça, un président qui est élu? Écoutez, en 2017, il est capable de faire en 2 ans et quelques mois. Alors, en 31 mois au pouvoir, ou gagner un président qui est lourd, avec que, avec une solution miracle qui transforme le paysage économique de ce pays. À défaut de transformer le paysage économique du pays, la situation est empirée. Je dis qu'il y a une inflation de, ça dit qui 20% en attendant le prochain rapport IHSIA. Le résultat de ça, la conséquence des turbulences politiques à répétition. Et malgré tout, dans le brouillard, ça, dans l'orbeille chirée, puis tout ça. Pas gagné des décisions que l'autorité en place qui prend,
et qui mène nous là même qui fait il y a des projets il y a des barrages qui a construit il y a des kilomètres de route qui fait il gagne des efforts qui fait sur le plan social pour améliorer conditions la vie compatriotes New York imaginez un instant que le chef de l'État te gagne la sérénité qu'il faut, le calme qu'il faut, la stabilité nécessaire et un environnement propice pour que tout le monde sérieux travaille, nous tapis loin. Et en un mandat, deux, trois, quatre, cinq mandats, nous n'obéit que deux siècles de confrontation imbécile mettez pays ça, ou pas bien temps résoudre tout problème que pays ça a gagné. Mais si que vous quittez chaque président qui vient porter leur maigre contribution à la reconstruction nationale, eh bien dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, figuez pays ça a changé. Mais bon Dieu, il faut que mon café politique dans le pays ici apprenne faire qu'on l'autre gens. Oui, mais il faut avoir un plan, il faut avoir un projet pour changer là. Ça dit, mais c'est le ça. Plan est là, la vision est là. Mais nous pas well, nous pas well. Où il est là, le président. Ah ben, nous cachons, nous cachons le droit. Non, il est évident, il est connu de tous. Oh. Président Vini, il dit que là, il travaille pour capable d'être courant 24 sur 24. Même subitement, il y a eu des forces contraires qui foncièrement hostiles à toute idée de changement de progrès dans le pays, ça, qui dressaient eux sur sa route. Non, dès le départ, en plus, on a dit que c'est un projet chimérique. Dès le départ. C'est un projet chimérique parce que le poids des rêves n'est jamais trop lourd à porter. Imaginez que le président Kevin avant lui, il a dit que il voulait faire courant 24 sur 24. Et puis, il a quitté, par exemple, le président qui travaille. Président Préval travaille, président et Manida travaille, président et bien sûr, et Martelly travaille. Tout à plus loin. Mais il faut que nous dénoncions cette obsession de la prise du pouvoir en Haïti, en dehors des élections. Il faut que l'actualité politique en Haïti soit autre chose que d'éternels reportages sur des barricades, sur des pillages, des incendies. Mais si son réalité est liée, il faut le cacher. Oui, mais il faut. Oui, pour le cacher. Oui, pour le cacher. Il faut, non, il faut que tous les acteurs se disent, finalement, il faut que nous changions paradigme. Haïti, c'est une terre de grands reportages. Ou après que même à travers les différents pays aujourd'hui, côté que il y a des manifestations, il y a des citoyens qui appellent de manière légitime à un changement, à une amélioration des conditions de vie, comme une frange d'un compatriote qui prend la rue pour demander pour conditions améliorées, mais ou pas ouais que a demandé pour que le président aille. Ou pas ouais que a demandé pour que qu'un coup d'État. D'accord? Ou pas, que les dispositions soient prises de manière concrète pour que vous soyez capable de vivre mieux. Mais en aucun cas, vous ne voulez pas jeter à la poubelle eh bien, les conquêtes démocratiques que vous avez sacrifiées pour vous capable de gagner. Est-ce que le pouvoir aveugle ou bien quand c'est nous web là mais nous pas dire publiquement parce que vous direz vous son l'autre réalité net ou décrit là oui. Ou dans la rue à Bogota ou est-ce ça cap passer dans pays là suppose oui et bien parce que ou décrit ou l'autre ça dit ou l'autre réalité là c'est pas réalité ça qui gagne dans pays là. Mais non, Madame Bonan, ma petite réalité mortifère ça, qui pas qu'à durer encore, Madame Bonan. Majorité, nous convaincus, nous persuadés que la majorité de nos compatriotes qui branchaient Vision 2000 matin, hein, merci à pour lui, papa, pour offrir nous, pour nous capables de parler avec nous dans le respect de l'autre. Cette majorité, elle est fatiguée.
fatigué de chirer pite toute journée dans le pays. Ce n'est pas une majorité qui retrouve dans la cause de mettre barricade toute journée pour pas pression, pour prendre l'école en otage. Ok, question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un problème sérieux, mon conseil d'Oli. Il y a une crise d'une gravité extrême. Que cette équipe n'a pas une solution. Oui, mais la solution est là. Puisqu'il n'y a pas. Parce que aujourd'hui, le chit attendait, le dialogue, ce n'est même pas une option. C'est une obligation. Bon, parce que de toute façon, Madame Bonhomme, moun qui mette dans la tête que capitaine Batoa, après le voltige est tombé dans l'eau, abandonné le navire là, ils sont en train de se fourvoyer. Le président de la République, il est trop conscient de responsabilité, il n'est pas qu'à abandonner le bateau en pleine tempête. La prêté ferme à la barre, mais là, dit tout l'autre marin, yo, tout équipage, et par équipage, j'entends mes frères et sœurs de l'opposition, la société civile, l'église, tout corps social là, corps social là, puis on mettait à elle pour nous joindre un compromis qui va permettre que le pays nous sorti dans bourbier ça. Mais je dis, la réalité, c'est que l'autre marin, yo, n'a pas gain confiance en capitaine. Il n'a pas pensé que capitaine, là, il a redressé là-bas. Il y a une tentative qui est faite à plusieurs reprises avec capitaine Batoa, justement, lorsque Potko a naufragé vraiment, non? Mais tout le monde est well, peut-être, sauf capitaine Batoa et équipage, et qui n'est pas well, il n'a pas saisi l'opportunité. Mais, jodi a la, président vle rete. Pour le faire qui ça? Qui ça le café? Faire qui ça vle dit permettre population an li vaké à occupation. On se parle de timoun yo, permettre timoun yo à l'école, permettre institution yo fonctionner. Mais président pas ka faire ça. C'est ça, regardez, ou apprêter c'est vrai ou ka redresser ban là, mais comment c'est prendre décision an? Et la première et situation la papirée. La première chose, mais de toute façon, on va sortir du tunnel. On va atteindre le bout du tunnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Mais bah, voisin moyen, bah, nous avons capacité à vrai. Non, mais capacité là, on a cherché. Parce que bonjour, bagaille. Et le président Macron qui a été élu, eh bien, Livine, après. Ils ont constaté que le fait réaliser que, eh bien, il gagnait des mauvais choix qu'il a fait. Mais il a eu cette humilité, d'accord, et ce sens de responsabilité pour dire que, écoutez, et moins compte que, eh bien, sur forme fait preuve de plus de respect envers compatriotes. Donc, me reconnaître que j'ai pu avoir des propos blessants par moment pour des gens. Eh bien, est-ce qu'on connaît que automatiquement dit ça, l'IF paye un bon dans le sondage et au niveau de la population française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, c'est quelque chose de très dynamique. Mais... le président lui parlait avec la population, lui expliquait clairement que c'est sûr que, écoutez, errare humanum, tout le monde a fait erreur. Mais dans l'ensemble, tout le monde constate et tout. Et là, il suffit d'écouter les émissions de Libre Tribune dans le pays d'Haïti, ou après que, eh bien, majorité population, majorité monde a pris les, ils comprennent la réalité en l'autre genre. Après cette explication pour le président Jovenel, on y est. Il y a que Non, pas fait ça. C'est la réalité. Non, on dit non, réalité, c'est que réalité, bon, du réalité. Et ça, le problème, regardez, ou pas dans la rue, hein? Nous pas, ouais. Bon, du réalité, bon, du réalité, ça lié. Et d'ailleurs, même Julia, là, il y a un reportage qui fait tout ça, nous pas inventé. Non, mais réalité, nous, oui.
c'est que pendant la conférence de presse, tout à l'heure, mais lecture, dans la conférence de presse, dans mon lecture, même, ça dit Sandia et Lina Poué, ça dit, pas d'analyse dans la question. Là, président, non, ça m'a dit, pas d'analyse, ça donne son fait, son réalité. Regardez, dans la conférence de presse, président de la République a fait, ça dit, avant et deux entrevues, regardez, président commence à parler, et puis, où est la rue à vider? Moun yo ap soti, machine presque frappe à l'autre, tout le monde entre la caillou, alors que te genye ou ti akalmi de deux jours. Mais après ou discours comme ça, fon capable tenu compte. Ça dit que le président c'est vrai vin parler, son bonne chose, parce que yo tap tan ki sa le tap dit. Mais si gon parole nous dit, bon, li fait barricade yo monte, puis wo, moun terre la caillou, mais après, ou pa kap continuer. À même discours, ça. Ma retourne sous président Macron. T'as le sous président Macron. Non, non, dit, t'as le tous les deux, président Macron. On va permettre point tout quand même. Que pour qui ça fait que il y a un monde qui a pété pour entrer la caillou après le discours du chef de l'État? Pendant le discours. Non, pendant la conférence de presse. Pendant la conférence de presse. La conférence de presse. Très bien. Quand même, c'est une forme de discours. Et lui, ça privé. Parce qu'on est. Il y a des gens, des jusqu'au boutistes, qui ont manipulé une catégorie de monde dans la rue, monéo, puis au cras et brisé. Donc c'est la peur, c'est la panique, et non pas de manière délibérée, et non pas parce qu'ils ne se retrouvent pas à travers intervention chef l'État, qui fait qu'on voit une sorte de roche ça, de pétécubita, ou entre la caillou. Mais pour parce qui ça? Que nous finissons dans nos pays, côté que gagne une catégorie de monde, qui comprennent par la violence, par le crâne brisé, dans l'orbeille, ils sont capables de prendre tout un pays en otage. Ok, mais moun yo tout. Il ne faudrait pas qu'on. Moun qui prise en otage. La peur et la panique, avec comme yon, on support de l'inacceptable. Non, non. Mais justement, regardez, peur à panique. Donc, c'est de conservation. Non, absolument. Mais parce que yon connaît, si yon était dans la rue, autorité au PACA, assurer sécurité, yo. N'est pas de bagaille qui rive, yo. Je dis à regarder. Juste. Il y a un monde qui a voyé roche pour le monde, qui a crasé des machines, qui a mis du feu, qui a touillé le monde, qui a boulé et entreprise le monde, et que qui risque d'attaquer. Non, c'est clair, c'est ça la réalité, mais qui est-ce qu'il a? Qui est-ce qu'il a, premièrement? Pour nous gagner, ah oui, pour nous gagner une lecture objective. Ou, regardez, de la situation. Non, m'dabdou, mais ça qui passe. Hein, tout à l'heure, c'est pas la question de discours ou pas discours. Non, m'dabdou, c'est pendant la, ou te dit après la conférence de presse, m'dabdou, c'est pendant la conférence de presse que Mounio te apporté la caillou. Mais c'est vrai, Sodia. Gen pile moun qui pas l'école ferme, pas voyé petit chou, pas voyé petit chou dans la rue, pas le travail. C'est pas parce que yo adhéré à ça l'opposition a dit. Majorité. Mais c'est parce que regardez non. Mais c'est parce que pouvoir li incapable assurer population, c'est-à-dire vaquer à occupation, je dis à mon a poulé dans la rue là et yo boulé à toute machine ni pas gain rien qu'a fait. Bon côté, autorité yo, qui place sous ça, la justice elle est fermée, ouais, fermée. Ça veut dire, regardez, pas de aucune institution qui fonctionnait. On dit, ou moun, entre la caille, moun, ferme ou bagay. Ma marche dans la rue là, ou bagay qui fait. Gen pile moun, ça arrive déjà, qui recourt yo gen? Madame Bonhomme, nous conseillons un bagay, il y a une situation. Et chaotique que nous vivons là, inacceptable et intolérable. Il y a des dispositions que l'État prend, que le gouvernement prend, pour capable d'enrayer mécanique infernale ça. CSPN a annoncé des mesures très concrètes qu'il va prendre pour capable permettre que la paix revienne et que la sécurité retourne dans les foyers, dans les rues. Pour que Mounio capable de vaquer normalement à l'occupation. Ça, c'est pas nous, ouvrir tes pour pouvoir. Son vrai tes la deuxième chose, on carrefour que nous arrivons, tout le monde
qui fait analyse, toutes les âmes de bonne volonté, tout directeur d'opinion, il y a un bagage clair pour vous dire journée quotidien. Il faut que nous ramenions la politique sur le terrain des débats contradictoires et non pas dans l'orbeille écrasée, brisée, dans l'orbeille médiatifée, dans l'orbeille coup d'État. D'ailleurs, c'est l'essence même démocratie hein, que nous décidons d'épouser à partir de 1986. Nous ne sommes pas capables de faire politique pour que le monde peur prenne la rue. La politique de fait, j'en appelle là, où il y a une lecture, évidemment, qui n'est pas conforme à la réalité, moi-même, m'a essayé mon drôle, mais qui sa majorité à comprendre, et mais qui sa majorité à comprendre. Ou pas comme qui sa majorité à comprendre. Quand on chita là, ou pas comme sa majorité à vivre. Majorité à vivre dans la paix. Mm-hmm. Majorité a voulu recommencer fonctionner normalement. Okay. Majorité a voulu que tout le monde retourne à l'école. Majorité a voulu que route débloquée. Oui. Que l'État pas capitulé devant bandit. Oui. Dans la rue avec Zam Namé pour capable transformer pays ça en espèce de Somalie que nous pas besoin. Voilà ce que veut. Donc, majorité a souhaité que l'État réagisse tout. Absolument. Que moun qui dit que yo dirigeant qui est les têtes yo, ah mais, regardez, qui est les têtes yo autorité, faut faire bagaille parce que situation ça a duré trop. Non, ça me semble tout ça d'accord. Ah ben. L'anarchie, le désordre et la violence, de toute façon, l'État doit prendre responsabilité pour couper tout ça. Ok. Parce que nous ne pouvons pas avancer. Non, atmosphère aussi pourrie, aussi délétère. Bon. Mais là encore, nous saluer avec les très peu de moyens que la police nationale a gagné à la disposition, eh bien, il faut colossal que vous déployez pour capable ou comment vous gérer la situation. Pire que ça que nous vivons là. Vous dites, mais demandez plus capable de redoubler d'efforts d'ardeur. Et que la justice prend des dispositions pour que les anarchistes, les vandales, les bandits, soient capables de gérer yo selon la loi. Ouais, pour bailler ça, hein? Ou pas besoin d'annonce, non? Mais c'est job nous, c'est fait. Ouais, conférence de presse, ça, conférence de presse. Non, mais Premier ministre. Non, il va bien mettre population. Bon, bon, c'est ça l'aptan. Bon, qui passait là hier. Et. Conférence de presse, Premier ministre, ministre de Justice, ministre de l'Intérieur, secrétaire d'État Sécurité publique, vous croyez? Mais, conférence de presse, ça, ben, je dis, c'est jeudi à commencer. Est-ce qu'on est matin? Bon, barricade au Piwo. Nous-mêmes, ça dit, m'a parlé de journalisme. Nous avons un pile journaliste qui, dans KPAM, et qui, dans l'autre média, matin, de des côtés qu'on a passé. Ça dit, monsieur, là, on mette bayon en 8, 4h30, 5h, il a dormi toujours. Bon, ouais, bon. Matin, nous levons, nous jouons des barricades. Et qu'on n'y a pas qu'à faire de barricades, mais petit carottes sur du feu, non? C'est bouteille. Regardez, non. Ma du réalité, là. C'est bouteille. C'est bouteille. C'est chaîne. C'est rideau de fer. C'est clou. Mais c'est ça. Regardez, à quelques mètres, oui. Soudainement. Oui, mais d'après vous-même. Lorsque gagnent une maladie qui fait autant de dégâts dans le tissu social là, vous pensez que c'est dès le lendemain, quelques heures, quelques minutes après, que vous avez bien temps résoudre tout problème, dans guérir pathologie ça. Non, écoutez. Non, moi je dis son énorme challenge. Il y a plein de pouvoir sous lit. Il y a tant de pouvoir sur ça, pour lui débloquer la rue, à permettre au pays à fonctionner. Oui, mais le pays n'est pas prêté comme ça, non? Je vous garantis que la situation va évoluer. Mm-hmm. Et dans le bon sens. Là, M. Thomas, ouais, là, M. Thomas n'est allé. Non, pas M. Thomas. Non, mais oui. Non, mais écoutez, pays nous, pas qu'à noyer dans l'anarchie, le désordre, la violence, vitam aeternam. Mm-hmm. Mais soyez l'homme. Regardez, nous pas imaginer ouais, si ça fait là,
rétablir et sécurité dans pays à permettre moun et vaquer à occupation mais bien sûr et là comme retrouver ma traversée hier mais moi m'a dit encore avec calme tant pis s'il vous plaît compatriotes nous yo k'a fè lò bay yo et gen nan yo que c'est des moun k'a monnayé téléguidé pour capable craser briser tant pis camper sous ça parce que le pas bay résultat on fait des ordres pour mander président aller président pas parler. Donc c'est ou même qui plus vulnérable là qui pénalise propre tête. Et moi j'en appelle au sens de dépassement de mes frères et sœurs de l'opposition. On nous dit crûment simplement madame Bonhomme. Le président Jovenel Moïse va-t-il démissionner? La réponse est non. Est-ce que une crise aiguë qu'a brassé pile pays noir? La réponse est oui. Troisième question. Comment maintenant résoudre ce problème? Quelle est la conduite à tenir? Eh bien, de toute façon, nous condamner en gens civilisés, on chita ensemble, et puis joignons une solution inclusive, pour que tout le monde là-dedans. OK. Pour pas qu'à manger, pour leur manger, tant que président, c'est-il, pour abandonner et pour se lire, pour l'aller. Eh bien, c'est le chaos total. Allez. C'est l'orbelle. Et des gens. Docteur Rivo, ouais, bah là. On est d'accord même que nous ne sommes pas capables de revivre. Regardez, moi, même tragédie, ça, ça y est encore. Nous sommes en plein. Nous sommes en 2019. Ok. Est-ce que c'est. Et provocation à faire, là, avec. Et provocation à faire, il y avait. Vous et président, allez. Faut d'accord que l'orbeille, ça ne va pas marcher. C'est ça que je me dis. Il y a l'autre jour, je vous tiens. Si tu attendais, je vous tiens. Ce n'est même pas une option. C'est un mensonge impératif, son impérium. Mais monsieur a fait provocation. Provocation? Il y a provocation fait là. Excuse-moi. Eh bien non, non. Provocation parce que je dis. Alors, madame Bonhomme. Parce qu'on dit que ça en allait. Pour nous associer nous-mêmes au gardon. Parce que je dis, président. Pas abandonner Batoa, c'est de la provocation. Non, non, ou pas ka, ou pas ka, gardez. Non, il a bralé. Non, non. Gardez, ou pas ka, gardez, ou pas ka, catégorie comme ça, tout à l'heure. M'a ka bon menti, sénateur. Oui, mais ou pas comme ça ka passe, gardez, ou pas monsieur Soleil, ou pas comme ça ka passe demain, après demain, etc. Et m'a dit, et docteur Rivo, donc, ou pas tirer le son de ça que passe avant yo. Nous même tirer le son, oui. Eh bien. Nous tellement tirer le son. Plusieurs aussi catégoriques. Nous dit, nous tirer le son de ça, nous tellement dit, nous dit que nous pas qu'à revivre un cauchemar là. Bon, qui s'est passé? On regarde ce qui s'est passé, président. Les porteurs quand même de une vision assez encourageante pour qu'elle devrait déboucher son mutation sociale. Mais on va jamais pas, président, non, pour implémenter vision ça. On va jamais pas le temps pour le travail. Toute la semaine journée, on l'obéit, on ne pas pour l'aller. Toute la semaine journée, l'instabilité, la déstabilisation, ça veut dire le poison de l'instabilité, fait un destructif dévastatrice. Ça veut dire que, après président Aristipini, président Préval, il y a un monde qui dit parce qu'il était malin, super intelligent, hyper intelligent, et que l'idée qu'on est comment pour gérer, on sait de bagarre, mais c'est archi faux. Il a dû faire face à ces mêmes tempêtes déstabilisatrice. Et si elle pas coup d'État 12 janvier 2010, eh bien, président, il est même arrivé donc à vous côté aussi que il y a un avion qui t'attend, qui vous attend, monsieur le président. Il a dit non, pas prendre avion. Il a eu le courage de dire non, pas prendre avion. Président Maniga Vini, je vous l'ai dit, même songez que, et c'était en 94, je crois, président Maniga élu, c'est grand pile rounou dans l'élection, président Maniga, lorsque le montait au pouvoir. Tout le monde est retrouvé à travers les efforts que tu as commencé à déployer pour le capable de changer le pays. Mais c'est un petit sacrifice, président Maniga. Même machine infernale là, même l'orbeille coup d'État, porter l'aller et briser rêve païtien. Moi-même, imaginez si le président Maniga n'a pas de coup d'État et mise en place, tu as commencé à faire, et puis tu as quitté le président Capinapel.
eh bien, il y a le temps qu'il faut, eh bien, la sérénité qu'il faut, le calme qu'il faut, la stabilité qu'il faut pour travailler, nous tapis loin, je veux dire. Nous tellement fait et tiré enseignement de ce qui s'est passé, nous redis à mes frères et sœurs de l'opposition que si maintenant pointé un, c'est la mauvaise foi. C'est notre trou la peine et non. Et moi, je m'encourage, même, d'ailleurs, nous avons dit même coalition, même solidarité, même unité que vous faites preuve là, obligé rapidement reprendre moins, parce que tout le monde constate qu'on sort de ruée cacophonique dans l'état, chaque monde vient de proposition. Ça t'arrive, vous connaissez un peu le monde qui a suivi nous là. La capacité en déluge de propositions, quand chaque monde dit, mais qui ça, oui, m'gagne, comme solution de remplacement. À un président qui est élu au suffrage universel. Non, regardez, ça c'est problème opposition, problème pour le régler, mais regardez, est-ce que ça cap passer là, tout à l'heure. Vous dites Rivo, tout à l'heure, non. Est-ce que ça cap passer là, à travers le pays, il n'y a pas dépassé l'opposition? Ou pensez que c'est l'opposition qui a mis tout le monde dans la rue, qui a fait tout le côté bloqué, yo même comme des politiques, et m'a parlé de groupes qui, dès le départ, bon, pas même accepter, pas même reconnaître Jovenel Moïse comme président, comme des politiques, y auront une situation, il n'y a pas avancé sous lui. Mais ça que met Mounio dehors là, regardez, c'est misère noire là. C'est entreprise qui a fermé, c'est moun qui va amener Timounio à l'école, c'est moun même leur fait ça quand yo jouent une cobla, l'école l'a été fermée. Regardez, c'est moun sa yo qui dans la rue, c'est moun sa yo qui pas capable encore parce que dollar lui-même li presque sans gourde. Ça dit, c'est ça pour nous gérer, c'est moun sa aujourd'hui qui pratiquement pas gagné. Regardez, c'est à moun sa pour nous adresser nous. Regardez, opposition l'a surfé son vague. Le fait que, regardez, l'inertie des autorités permet que, il fait l'affaire de l'opposition. Même nous, quand demandé président à aller à jeudi à là, c'est pas. Ou gagner trop perspicacité pour parler que, bon, moi, convaincu pour elle, à propos d'île, que le monde qui est dans la rue, c'est pas un groupe homogène. Trois catégories de monde qui sont dans la rue, oui. Nous conscients que des frères et sœurs, nous, qui ont crevé, qui ont battu l'eau pour faire beurre, qui parouaient, qui le soleil a pleuvé pour eux, qui ont souffri, qui ont vu une situation extrêmement difficile, surtout dans les quartiers et compliqués de ce pays. Qui a bout, qui dit bonne sortie dans la rue, pour m'exprimer souffrance moins, détresse moins, et ras-le-bol moins. Nous en sommes conscients. Et président Mabdi Mounsayo, président Jovenel Moïse, gouvernement, tant des criots, leur cri de désespoir, et gagné pour qu'après, pour être capable d'améliorer les conditions de la vie. D'accord? Depuis 6-7, vous savez, 6-7 juillet 2018, président. D'aller, t'as là. 6-7 juillet 2018, président est en décrit, monde qui était dans la rue. Oui, ma bonne catégorie. Ma bonne, ça c'est première catégorie. On pense juste ça. Mais est-ce qu'on connaît, eh bien, en pilote, un deuxième groupe, c'est des gens monnayés par les tenants de système qui peur réforme que le président Jovenel Moïse enclenché et que le déterminé pour le mener jusqu'au bout. Ce sont des gens téléguidés, monnayés. C'est comme on dit, dans pile coq qui dans la rue, c'est parce que dans pile maï qui tombe. Et depuis maï pas tombé, on vient moins coq ça dans la rue. Coq à poule. Et pour qu'on troisième catégorie, c'est des mouns, les pêcheurs en eau trouble, des mouns qui ont phobie érection, qui n'ont pas de représentativité. Certains d'entre eux ont recueilli à peine moins de 1% aux dernières élections. Mais ce sont les plus agressifs, ce sont les plus actifs, ce sont les plus audacieux. Mais Mabdio, là encore, il est grand temps pour eux-mêmes, pour être capables de faire tête, ils ont raison. Mais m'a répété encore, président Jovenel ne font pas. Et le pape ne font pas, il vient pour l'aller puisqu'il n'est pas président à vie. Il répétait encore, il n'a pas arrêté l'empile temps pour l'aller.
Mais que moun sa ou mette tête ensemble, un, pour nous chita discuter avec le président, et préparer justement ce que le pays sera après le mandat du président Jovenel, parce que lorsque un président vini, ou toujours l'autre monde qui a fait la bien capable de supporter ça le fait qui bon, corriger ça le fait qui erreur que le faut mettre, et puis vini avec propre vie, je parle. C'est pour ça qu'on fait démocratie. Hein. Et enfin, n'a dit que majorité peuple haïtien, hein, les mêmes journées aujourd'hui, hein, et c'est ça me porter comme discours matin, hein, l'idiot, les fatigués, nous voulons la paix. Entendez-vous? Si on prend exemple tout l'autre président qui passait, Geoffroy, Salnav, Théodore, travail, Bruno, travail pour la paix, prends initiative là. Paul Eugène bon. Magloire, il y a tout Jean-Bertrand Aristide, le président dit que je salue. Et c'est quelque chose, Goumba qui fait mal. On a été victime à deux reprises de la folie de la prise du pouvoir par les coups d'État. Mes frères et sœurs de famille Lavalla, on a fini avec ce discours délétère. Pour demander pour Chandia s'en virer. C'est bien pour nous bouler. C'est du feu le mettre. Nous avons pour nous courir Chandia là. Avec, bien sûr, tout. Bon, si si Chandia va rien, il va bouillir là. Toute intelligence, non. Mais écoutez, si parce que il y a des gens qui décident pour casser pied, réchauffer. Mais réchauffer solide. Erivo, dernier point et pour nous vraiment fini, parce que tout à l'heure, là, nous avons parlé de sécurité. Et bon, sécurité annonce que gouvernement est fait hier, il dit, il prend des mesures et pour permettre aux populations vaquer à occupation. Moi, dit ça, c'est un énorme et challenge parce que il y a un discours, il y a une capacité pour faire ça fait là. N'attendez sur ça, n'attendez. Mais et ça, c'est pour monde qui a bloqué la rue. Et gang armé, est-ce qu'on a regardé des vidéos actuellement que de chefs de gang et a publié sur les réseaux sociaux, visage découvert, nous avons des gros types d'armes, nous avons des déclarations que des chefs de gang ont fait, nous avons des cris, monde qui sont matissants, qui sont pris en otage. Pas et gang ça yo. Est-ce que nous une vidéo qui t'a circulé dans week-end à côté des chefs de gang yo dépecé au monde yo fin tuer par mon soyo yo découpé m'attendez un mot au niveau du gouvernement m'attendez aucune réaction qui ça ministère la justice dit qui ça la présidence dit mais c'est inacceptable ça. Écoutez là moi même avant nous sous même longueur d'onde c'est inacceptable. Et gouvernement, pouvoir en place là, conscient de ça. Mais est-ce qu'on est depuis que acteurs, tout secteur dans le pays, hein, décide de montrer l'exemple et prend la voie qu'il faut pour capable chita ensemble, déboucher sous un compromis. Et par compromis, j'entends des concessions mutuelles. D'accord? Est-ce qu'on est que même côté, hein, eh bien, cette folie, eh bien, volcan ça qui est entré en éruption, qui a pallié le terrain politique en Haïti, eh bien, même côté, hein, éruption a campé. Parce que l'État. Ah oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Les hommes politiques depuis au Chita, hommes et femmes politiques, Chita, discuter. D'un coup, la morale républicaine exigeait ça. Un coup, ça fait dans toute société civilisée quand il y a des crises. Et ça m'a été dit. C'est pas un maladie incurable que nous pas qu'à traiter. Depuis nous, qui une bonne volonté d'en traiter. Et le président, lui, il est de bonne foi. Livrer sa fête. Automatiquement, on va voir que le climat favorable pour que la police le CFPN, eh bien, il fait travail pour qu'il juguler le phénomène ça. Est-ce que la situation prend ampleur ça hein, pour nous corriger? Non. Eh bien. Parce que la confusion qui règne sur le terrain, Chirépite, Voémonté,
mandé pour capable prendre pouvoir, mais faut parler dans l'élection. Li vinn créer, li vinn rendre tâche. CSPN non, va procéder moins beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Mais par exemple en 2004, madame Bonham, tu as gagné le fameux groupe des 184 et le fameux contrat social. N'a pas de contrat social ça jusqu'à présent. Ça veut dire que l'on a les pieds devant, d'accord? Ou est que toujours gagné, ils ont une sorte de miroir aux alouettes, ils ont l'air des mouns à utiliser. Par exemple, aujourd'hui, où est mon appel que ce sera la dernière transition. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la dernière transition? Alors que c'est des mouns, pour qu'il y un minimum de crédit, que ont lucide et que connaît qui sa constitution pays nous dit. Moi-même, question que m'a posé des points, vous me relayez. Pour nous tout fini, oui, pour nous tout fini. Oui, interrogation capitulée, l'esprit majoritaire. Qui sa élection servie dans le pays ça? Si chaque fois qu'un président élu, et puis trois mois, six mois, un an après, on vous pour débarque, et vous dit, monsieur le président, vous allez quand, parce que l'il est arrivé, pour moi-même, petit temps, pas maintenant. Gon l'autre interrogation quoi? Interrogation. Oui, interrogation. Ça dit qui l'est n'a sorti dans sa nia? Combien de temps capable kembe encore? Moi je vais poser la question d'une autre manière. Pour qui ça fait en gens civilisé? Madame Bonhomme, demandez frère Mio, m'a pas adressé humblement, respectueusement à vous-même. Tant pris, en bas démocratie en chance. On ne va pas tuer. Nous voulons président, le président Jovenel Papal. Et il y a un problème. Problème est grave, il est réel. Eh bien, nous avons une seule alternative. Ou bien nous n'avons pas l'autre alternative. Que Chita ensemble ne respecte pas l'autre. Et puis dégager consensus ça. Nous ne pouvons pas parler de pour le président Jovenel aller. C'est rêve après, mais j'ai clair. Le président est responsable. Un bon capitaine, il ne va pas abandonner le navire. Et contrairement à ce qu'on a dit, le bateau n'a pas coulé. Il y a certes des avaries, il y a des fuites d'eau. Mais si nous avons élan, nous sursaut patriotique, opposition, tout nous en mime dans l'opposition, tout frère jeune dans l'opposition, dans la société civile, dans tout secteur, nous décidons chita ensemble. Jean-Président va suspendre de ça. Eh bien, on va colmater toutes ces brèches. Et on va arriver à bon port. Frère Ivo, docteur Ivo, et président, tu as parlé tout de la dernière transition. Regardez, sous transition. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le Vatican envisage sérieusement que des hommes mariés soient ordonnés prêtres, notamment dans la région amazonienne. Donc, pas jamais connaître. Donc, on va réfléchir sur ça. Mais si on peut aimer. Si me perds des mains, m'a toujours encouragé la paix. Ok. On avance. Toujours encouragé l'amour de mon prochain. C'est ça. Docteur Ivo, une dernière question là. Et où dit tout le monde connaît, ça dit qu'il sa transition bail dans le pays. Mais président, il dit la fait dernière transition. Il parlait de ça tout. Le président, il casse pas lucide alors. Non, il est très lucide. C'est une façon élégante et hautement intelligente et responsable pour dire que moi-même, président Jovenel Moïse, nous décidons de chita avec frère et sœur dans l'opposition pour non seulement nous monter au gouvernement d'Union nationale, mais pour nous créer ma prise côté que les questions essentielles, fondamentales, cap agité, cap brasser pile société noire. Déforestation sauvage et question emploi, investisseurs pour créer espace pour venir, renforcer la stabilité, système sanitaire là, pour que nous capables revisiter, éducation. Bon, on ne commence pas à faire mon circuler dans le pays, toujours. On garde ça. Regardez, devoir de maison. On ne commence pas là. On ne commence pas à faire la vie reprendre dans le pays. Eh bien oui, et on va demander tout le temps, nous,
enterrons mes frères et sœurs. Je vous le demande. Frère, attendez. Je vous en conjure. Mm-hmm. Enterrons l'âge de guerre. Moi, je me dis que dans le pilon de temps en temps, je me dis, pour qui ça nous pas chita, plutôt, nous entendons nous à président. Mm-hmm. Tant pis, souple, on fait le nom. Bon, mais... le jusqu'au boutisme, encraser, nous sommes ce mur de l'intransigeance qui nous divise. En nous, est-ce que nous allons alimenter la flamme de la réconciliation, de l'entente. Okay. Merci. Merci, vous dire, Rivo. Merci, Ampil, Madame Bonhomme. En garder tête nous frais, parce que de toute façon, l'anarchie ne saurait triompher de la démocratie. Vous dites...